It's a great pleasure for me to be in France again. C'est un grand plaisir pour moi d'être de nouveau en France. Thank you for giving me such a wonderful work. Et merci de m'avoir confié un si agréable travail. I believe we love one another. Je suis convaincu que nous nous aimons les uns les autres. When I come among you, I feel like a father. Et quand je viens parmi vous, je me sens comme un père. I almost feel like a grandfather. Et je me sentirais presque comme un grand-père. Especially when we come to Le Havre. Et tout particulièrement quand nous nous réunissons au Havre. Because it was in this town that the Pentecostal movement really started in France. Parce que c'est vraiment dans cette ville que le mouvement de Pentecôte a vraiment commencé en France. And it was my privilege to be here over 30 years ago. Et ce fut mon privilège d'être ici il y a bien 30 ans. Alléluia. Amen. So my heart has got some very sacred memories tonight. Et je vous assure que mon cœur possède en lui-même un souvenir béni. I won't leave you guessing how old I am because I'll tell you. Je ne vais pas vous laisser deviner quel est mon âge. Parce que je vais vous le dire tout de suite. Last week I had my 73rd birthday. La semaine dernière, j'ai fêté mon 73e anniversaire. So now you need not guess, now you know. Maintenant, vous n'avez pas besoin de deviner, vous savez. Now tonight I want to speak to you about the first king of Israel, King Saul. Eh bien, ce soir, je voudrais vous parler au sujet du premier roi d'Israël, le roi Saül. In the books of Samuel, I've been reading the story of his life once again. Et dans le livre de Samuel, une fois de plus, j'ai relu l'histoire de sa vie. And one word has kept on coming, and that is the word anointing. Et un mot semblait revenir constamment, et ce mot, c'est l'onction. Saul was the anointed king of Israel. Saül était le roi d'Israël avec l'onction. I found that come at least 16 times. Et je crois que ce mot revient au moins 16 fois. The Lord's anointed. Louant du Seigneur. Now we who are here tonight know that the anointing figures the Holy Spirit. Maintenant, nous qui sommes ici ce soir, nous savons que l'onction veut parler du Saint-Esprit. You remember how Jesus stood up in the synagogue at Nazareth. Vous vous souvenez comment Jésus s'était levé dans la synagogue de Nazareth. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me. L'Esprit de Dieu est sur moi parce que il m'a oint, dit-il. So we are speaking about the Holy Spirit upon the Christian. Ainsi, nous parlons du Saint-Esprit qui vient sur les croyants. And if you will permit me tonight, particularly the Holy Spirit upon the ministers of God. Et si vous me le permettez ce soir, du Saint-Esprit qui particulièrement vient sur les serviteurs de Dieu. And our lesson tonight moves in three steps. Et notre leçon de ce soir s'échelonne en trois étapes. First, the coming of the anointing. Tout d'abord, la venue de l'onction. And then the mighty moving of the Spirit. Et ensuite, l'action puissante de l'Esprit. I wish we could stop there. J'aimerais que nous puissions nous en arrêter là. But the Bible is very true. Mais la Bible est très vraie. And it tells us how the anointing left Saul. Et elle nous dit comment l'onction a quitté Saül. Thank God for the Bible. Dieu merci pour la Bible. It does not tell us what we want to know, it tells us what we need to know. La Bible ne nous dit pas ce que nous aimerions connaître, mais ce que nous devons connaître. Oh, the courage of the Bible. Oh, la vérité de la Bible. We preachers like to tell the people what they want to hear. Nous aimerions prêcher ce que les gens aimeraient entendre.
Oh, we like to hear you say amen, hallelujah. Parce que nous aimons vous entendre dire amen, alléluia. But God is not out to please men, he's out to give them the truth. Mais Dieu n'est pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour leur donner la vérité. I love the Bible for its truth. J'aime la Bible pour sa vérité. Let us come then to our story. Alors, arrivons-en tout de suite à notre histoire. We start in the first book of Samuel, chapter 10 and verse 1. Nous commençons dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 1. Samuel took a vial of oil and poured it upon his head. Is it not because the Lord hath anointed thee to be captive? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? I will not read you all the references here. Je ne vais pas vous lire ici tous les textes. Sufficient to notice that Saul was a choice young man. Mais il est suffisant de savoir que Saül était un jeune homme choisi. To only look at him, you said, there goes a leader. Et à le voir, vous pouviez dire, voilà un conducteur. Standing head and shoulders above the ordinary people. Et il avait, n'est-il pas vrai, la tête et les épaules au-dessus de la taille normale des autres. Full of good qualities of character. Et il était rempli de toute qualité excellente de caractère. Both in soul and in body. Aussi bien de corps que d'âme. And yet even that was not enough. Mais malgré tout, cela n'était pas assez. In the interesting story of how Saul came to Samuel. Et dans l'intéressante histoire, dont la manière de Saül qui est arrivé près de Samuel, we read something very interesting. Nous lisons quelque chose de très intéressant. That God gave Saul another heart. Que Dieu a donné à Saül un cœur nouveau. He was converted. Il a été converti. A beautiful young man, naturally. Un beau jeune homme dans l'état naturel. But God did something more in his heart. Mais Dieu a fait quelque chose de plus dans son cœur. My brethren, how is it with you? Eh bien, mes frères, qu'en est-il de vous? Do you know the grace of God that has changed your heart? Connaissez-vous la grâce de Dieu qui change votre cœur? Oh, we preach tonight the possibility of conversion. Parce que ce soir, nous prêchons la possibilité de la conversion. Oh, you say, Brother G, this is not a gospel meeting. Oh, direz-vous, Frère G, ce n'est pas là une soirée d'évangélisation? I quite understand. J'ai très bien compris. But I want to ask you, has your heart been made anew? Mais je voudrais vous demander à vous, est-ce que votre cœur est vraiment nouveau? It's such a difference when the anointing comes on somebody whose heart is ready for it. Oh, il y a une telle différence quand l'onction arrive dans un cœur prêt à la recevoir. I don't know what you're going to make of my theology tonight. Je ne sais pas trop ce que vous allez faire de ma théologie ce soir. But I do feel that we do need some preparation of heart before we can have the real anointing. Mais je suis convaincu qu'il nous faut une préparation du cœur avant de recevoir une véritable onction. God is doing an important thing in our lives. Dieu accomplit quelque chose d'important dans nos vies. We need divine preparations of grace. Nous avons besoin d'une préparation divine de la grâce. Then the anointing can come on a prepared vessel. Alors, l'onction peut arriver dans un vase préparé. There is a divine preparation for the Spirit. Il y a une préparation divine pour l'Esprit. Do not let that discourage you. Que cela ne vous décourage pas. Grace is flowing from Calvary. Parce que la grâce, elle découle, elle jaillit du calvaire. Alléluia. Oh, there's power in the blood of Jesus. Oh, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. He can make our hearts ready for the anointing of God. Et il peut préparer nos cœurs pour recevoir son onction. And now, in this same 10th chapter, we read how the Spirit came to Saul. Et là, dans ce même 10e chapitre, nous lisons comment l'Esprit est venu sur Saül. Verse 10. Le verset 10. When they came thither to the hill, behold,
A company of prophets met him. And the Spirit of God came on him and he prophesied among them. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. So when the Spirit of God came on Saul, he prophesied. Ainsi donc, quand l'Esprit de Dieu est venu sur Saül, il a prophétisé. Oh, we believe in the initial evidence of the baptism in the Holy Ghost. Oh, nous croyons dans le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. This is the Old Testament. C'est là pourtant l'Ancien Testament. But there was evidence there. Mais là, il y avait une évidence. Spirit of God came on him and he prophesied. L'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a prophétisé. And everybody was talking about it. Et tout le monde en a parlé. Ooh, they said, Saul is among the prophets. Et ils disaient, oh, Saül est au milieu des prophètes. Have they talked about you? A-t-on parlé de vous? He's a Pentecostal. C'est un pentecôtiste. He speaks with tongues. Il parle en langue. Amen. Amen. And so Saul prophesied. Ainsi donc, Saül a prophétisé. The Spirit of God came on him. L'Esprit de Dieu vint sur lui. But before we hurry on, learn one lesson. Mais nous avons à apprendre une leçon. It was when he met a company of prophets. Ce fut quand il a rencontré une troupe de prophètes. I believe there is something in spiritual atmosphere. Je crois qu'il y a quelque chose dans une atmosphère spirituelle. I feel it tonight. Je le sens ce soir. Oh, it's easy to preach tonight. Oui, il est facile de vous prêcher ce soir. All these preachers are wishing they were in my place. Et tous ces prédicateurs qui sont là souhaiteraient être à ma place. It's so easy to preach tonight. Parce que cela est tellement facile de vous prêcher ce soir. There's such a wonderful spiritual atmosphere. Parce qu'il y a là une atmosphère spirituelle merveilleuse. But supposing you are wanting to be filled with the Holy Spirit. Mais supposons que vous ayez le désir d'être rempli du Saint-Esprit. May I give you one word of advice? Pourrais-je vous donner un mot de conseil? Get into a good spiritual atmosphere. Mettez-vous dans une bonne atmosphère spirituelle. If I wanted to get filled with the Holy Ghost, I wouldn't go into a refrigerator. Si je veux être rempli du Saint-Esprit, je n'irai pas m'enfermer dans un réfrigérateur. I'd want to go where the heavenly sunshine was there. Je veux aller où le soleil divin brille. And so that was what happened to Saul. Et voilà ce qui est arrivé à Saül. And it says he was turned into another man. Et il est écrit qu'il fut changé en un autre homme. One other lovely thing. One other beautiful thing. Une autre merveilleuse chose. And that is he was so humble. C'est qu'il était très humble. Verse 16. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânes s'étaient retrouvés, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. I try to imagine some young men I know. J'essaie de me représenter quelques-uns des jeunes gens que je connais. Oh, father, father, I've got something wonderful. Oh, papa, papa, j'ai quelque chose de bien, de merveilleux. I'm anointed to be the king. J'ai été couronné roi. Ooh. Oh, c'est merveilleux. No, he didn't say anything about it. Eh bien, Saül n'a pas dit un seul mot de cela. The older I get, the more beautiful I think humility is. Plus les années passent, et plus je découvre la beauté de l'humilité. It's difficult for young men. C'est difficile pour les jeunes hommes. It's not so difficult for old men. Mais ce n'est pas si difficile pour les vieux. They made so many mistakes. Ils ont tellement fait de sottises. They know how foolish they are. Ils savent très bien comme ils sont insensés. If an old man isn't humble, he's a fool. Si un vieillard n'est pas humble, c'est un insensé. But for the young men, it's a wonderful grace to be humble. Mais pour un jeune homme, c'est une grâce merveilleuse que d'être humble.
I have seen great men ruined through pride. J'ai vu de fameux jeunes gens détruits par l'orgueil. If you want the anointing to remain on you, my brother and my sister, walk humbly with God. Si vous voulez que l'onction demeure sur vous, mon frère, ma sœur, marchez humblement devant Dieu. Remember, you're nothing apart from the grace of God. Rappelez-vous que vous n'êtes rien en dehors de la grâce de Dieu. You're everything to the Lord Jesus. Vous devez tout et vous n'êtes tout que par le Seigneur Jésus. To him be all the glory. À lui soit toute la gloire. There is one name above every name here tonight. Il n'y a ce soir ici qu'un seul nom qui soit au-dessus de tout nom. I'm glad assemblies of God in France are not centered around one man. Je suis heureux que les assemblées de Dieu de France ne sont pas centrées autour d'un homme. You never have been, I hope you never will be. Vous ne l'avez jamais été, j'espère que vous ne le serez jamais. There is only one name. Il n'y a qu'un nom. Name of Jesus. Le nom de Jésus. The Son of God. Le Fils de Dieu. The King of Glory. Le Roi de gloire. Glory to his name. Gloire à son saint nom. Alléluia. Amen. Let's be humble. Demeurons humbles. And that's very difficult. Et c'est très difficile. Difficult to be humble in words. Difficile d'être humble en parole. We can all talk humbly. On peut tous parler humblement. To be humble in heart. Mais d'être humble de cœur, God sees that. Dieu voit tout cela. God is pleased with it. Et Dieu, il est agréable à Dieu de voir cela. And so in the morning of his day, Saul was altogether lovely. Et ainsi, dès le matin de sa vie, Saül était en tout point aimable. Well, in the 11th chapter, we've got a very fine story. Eh bien, dans le chapitre 11, nous avons là un récit remarquable. Some wicked enemies, the Ammonites, come against the people of Israel. Quelques ennemis méchants, les Ammonites, s'élèvent contre Israël. This man Nahash, his name means serpent. Et le nom de cet homme, Nakash, veut dire serpent. 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 And so the serpent comes against the people of God. Et ainsi le serpent se dresse contre le peuple de Dieu. And he wants to make them enter into a wrong covenant. Et il veut les faire entrer dans une alliance trompeuse. There's still an old serpent, the devil. Il y a toujours le vieux serpent nommé le diable. He wants to get us to enter into a wrong covenant with him. Et il veut que nous entrions dans une alliance néfaste avec lui. And these people were in a very bad place. Et ces gens étaient dans une bien mauvaise condition. They said, what shall we do? Who can help us? Et ils disaient, mais qui nous délivrera? Comment allons-nous faire? They said, well, what about that young man Saul? Mais, disent-ils, qu'en est-il de ce jeune homme nommé Saül? Well, he hasn't done anything very much. Mais jusqu'ici, il n'a pas fait grand-chose. But still, he was anointed. Mais après tout, n'est-ce pas lui qui a reçu l'onction? Let us send for him. Eh bien, envoyons-lui un messager. And so they sent to this young man. Et ils envoyèrent un messager vers Saül. And the Spirit of God was on him. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Chapter 11, verse 6. Et chapitre 11, verset 6. The Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings. And his anger was kindled greatly. Et que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. There's a place for holy anger. Ah, il y a un moment pour une sainte colère. When the enemy is having his way. Quand ce sont les ennemis qui font leur loi. You know, I'm ashamed of myself tonight that I haven't sometimes been angry enough. Voyez-vous, ce soir, j'ai honte de moi de ce qu'à plus d'une fois, je n'ai pas été assez en colère. You say, but can you be angry and be right? Mais diriez-vous, peut-on être en colère et être dans la voie droite? Sometimes you're wrong if you're not angry. Mes amis, parfois, vous êtes dans la mauvaise voie si vous n'êtes pas en colère. God make us more holy. Que Dieu nous sanctifie davantage. And when you're more holy, you'll sometimes be more angry. Et quand vous serez davantage sanctifié, vous serez peut-être davantage en colère. If you don't understand that, go home and think about it. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, allez chez vous et pensez-y.
There is a place for holy anger. Il y a un moment pour une sainte colère. And so the Spirit of God came on Saul and his anger was kindled. Ainsi l'Esprit de Dieu vint sur Saül et sa colère s'enflamma. And with that holy anger he went out against the enemy. Et avec cette sainte colère, il est allé à l'encontre des ennemis. And had a glorious victory. Et il a remporté une remarquable victoire. And delivered the people. Et il a délivré le peuple. Oh, these glorious hours of victory. Oh, ces heures merveilleuses de victoire. Oh, you've had some of them in France. Oh, vous en avez eu quelques-unes en France. You've had some of them in Havre. On en a eu quelques-unes au Havre. Oh, I can remember. Oh, I was there. Je peux m'en rappeler, j'étais là. Alléluia. And we want some more. Mais nous en voulons davantage. Times of victory. Des moments de victoire. Living God is able to give them. Et le Dieu vivant est capable de nous les donner. Although I think the days are getting more difficult. Bien que je réalise que les temps soient devenus plus difficiles. It's not the same as it was 30 years ago. Il n'en est pas de même comme il en était il y a 30 ans. No good living in the past. Oui. It's no good living in the past. Ce n'est pas bon de vivre sur les choses du passé. God is able to help us today in these more difficult days. Mais Dieu est capable de nous aider aujourd'hui dans ces jours plus difficiles. And so it was a story of victory. Ainsi donc, c'était une histoire de victoire. Once again, we see the beauty of Saul's character. Une fois de plus, nous découvrons la beauté du caractère de Saül. Chapter 11, verse 12. Au chapitre 11 et au verset 12. People said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? Bring them in, that we may put them to death. Le peuple dit à Samuel, Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez-nous ces gens, et nous les ferons mourir. And Saul said, There shall not a man be put to death this day, but today the Lord hath Amen. Brought salvation in Israel. Mais Saül dit, Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Isn't that lovely? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? I pause in admiration. Je suis là, resté plein d'admiration. No revenge. Pas de vengeance. But saying the Lord has done it. Mais disant, le Seigneur nous a donné la victoire. Still there's great grace on Saul. Oh, il y a encore là une grâce qui demeure sur Saül. I wish I could shut my Bible now. Ah, je souhaiterais pouvoir fermer ma Bible maintenant. I wish this was the end of the story. J'aimerais que ce soit là la fin de cette histoire. When I think of some of the servants of God I've known, I feel the same about some of them. Et quand je pense à plusieurs des serviteurs de Dieu que j'ai connus, j'ai le même sentiment. I wish some of them had died before they did die. Je préférerais que certains soient morts avant qu'ils ne meurent. You know what I mean? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oh, they had a wonderful morning. Oh, ils avaient eu un matin remarquable. They had a wonderful noonday. Oh, ils avaient dans leur vie un merveilleux midi. But the evening was clouded and dark. I remember some of you when you were very young. Je me souviens de plusieurs d'entre vous alors que vous étiez très jeune. Now you're middle age. Maintenant, vous êtes dans l'âge mûr. Some of you are like me, you're getting some snow on the roof. Certains de vous, vous êtes comme moi, vous avez un peu de neige sur le toit. My brethren, we have to watch and pray. Mes frères, il nous faut veiller et prier. The anointing God has given us is to abide. L'onction que Dieu nous a donnée, c'est pour qu'elle demeure avec nous. There will be no failure with God. Il n'y aura jamais de faillite du côté de Dieu. But there can be failure with us. Mais il peut y avoir faillite de notre côté. Oh, would you say, I've had a wonderful ministry, Brother G. Mais direz-vous, Frère G, j'ai un ministère formidable. I've laid hands on the sick and there have been miracles of healing. J'ai posé mes mains sur les malades et il y a des miracles de guérison. Many have been converted. Beaucoup ont été convertis.
Many have been baptized in the Beaucoup Holy ont été baptisés dans le Saint-Esprit. I've had a wonderful ministry. Oh, j'ai eu un ministère merveilleux. We understand. Nous comprenons. We thank God. Et nous remercions Dieu. But watch and pray. Mais veillez et priez. You can lose the anointing. Vous pouvez perdre l'onction. And I talk to myself as much as to you. Et je parle à moi-même autant qu'à vous. Look in chapter 16. Regardez au chapitre 16. Verse 14. Et au verset 14. That the Spirit of the Lord departed from Saul. Mais l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Oh, what a tragedy. Oh, quelle tragédie. The anointing had left him. L'onction l'a quitté. He tried to carry on just the same. Il a essayé de continuer comme si de rien n'était. But the anointing had gone. Mais l'onction avait disparu. There are preachers here that know what I'm talking about. Il y a des prédicateurs ici qui savent de quoi je parle. No, you can still preach the same sermons. Oh, vous pouvez continuer à prêcher les mêmes messages. But you've lost the anointing. Mais vous en avez perdu l'onction. Same homiletics. La même homilétique. Oh, the same theology. Oh, la même théologie. Same eloquence. La même éloquence. Perhaps even a little more eloquence. Peut-être même un petit peu plus d'éloquence. You shout louder than you used to. Vous criez un peu plus fort que vous n'aviez l'habitude de faire. But the anointing has gone. Mais l'onction en est partie. Some of your friends look at you and they don't say anything. Certains de vos amis vous regardent et ils ne vous disent rien. But they think something. Mais ils pensent quelque chose. Ah, they say, that touch of God has left him. Et ils pensent, cet attouchement de Dieu l'a quitté. I'm talking about something that is real. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. The touch of God can leave you. Le touchement de Dieu peut vous laisser. Everything else would be the same. Tout le reste peut demeurer sans changement. Something has gone from the inner life. Mais quelque chose a disparu de la vie intérieure. We want to know why it was with King Saul. Nous aimerions savoir comment les choses se sont passées avec le roi Saül. I am going to suggest three reasons. Je vais essayer de vous présenter trois raisons. Chapter 13 and verse 13. Le chapitre 13 et le verset 13. Samuel said to Saul, thou hast done foolishly, thou hast not kept the commandment of the Lord thy God which he commanded thee. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. I believe obedience is intensely important for the Christian life. Je crois que l'obéissance est d'une importance capitale pour la vie chrétienne. I talk to Christians tonight. Je parle à des chrétiens ce soir. I do not ask you to come to Christ, you have come. Je ne vous demande pas de venir à Christ, vous y êtes venu. I call on you to follow Christ. Mais je vous invite à suivre Christ. To obey him. De lui obéir. To go after him. D'aller après lui. All the success of your life now depends on obedience. Et tout le succès de votre vie maintenant ne dépend que de votre obéissance. Walk in the light that God has given. De marcher dans la lumière que Dieu vous a donnée. We serve a wonderful God. Nous servons un Dieu merveilleux. We are not responsible for the light we have not received. Nous ne sommes pas responsables pour les lumières que nous n'avons pas reçues. But we are very responsible for the light we have received. Mais nous sommes excessivement responsables des lumières que nous avons reçues. How is it with you, my brother? Qu'en est-il de vous, mes frères? How is it with you, my sister? Qu'en est-il de vous, mes sœurs? Are you obedient to the Lord? Êtes-vous obéissante au Seigneur? The anointing will surely lift from you unless you keep obedient. Certainement, l'onction s'en ira de vous, à moins que vous ne demeuriez obéissant. And there was one even deeper thing. Et il y a même quelque chose de plus important. Samuel said, this is like rebellion. Samuel dit,
que c'est quelque chose comme de la rébellion, de la révolte. Rebellion against God. Une rébellion contre Dieu. Saying to God, I will not. Disant à Dieu, je ne le ferai pas. Rebellion. De la rébellion. You know what God wants. Vous savez ce que Dieu veut. But you rebel. Mais vous vous révoltez. This is a personal matter. Il est parlé là de questions personnelles. My duty is to preach the word. Mon devoir, c'est de prêcher la parole. But the Holy Ghost will apply it. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'applique à vos cœurs. I cannot apply it, I can only give the word. Je ne peux pas l'appliquer à vos cas, je ne peux que prêcher la parole. I feel the presence of the Holy Ghost here. Mais tonight. Je sens ce soir la présence du Saint-Esprit parmi nous. He will apply the word. C'est lui qui fera à vos cœurs l'application de cette parole. Is a rebellion. C'est une rébellion. Oh, you say I will not go that way. Oh, vous dites non, je ne suivrai pas ce chemin-là. I will not deny myself love. Je ne vais pas abandonner mon amour propre. I have my own ambition and I'm going to get it. J'ai ma propre ambition et j'y arriverai. We should have no ambition except the will of God. Nous ne devrions avoir d'autre ambition que la volonté de Dieu. The only ambition permitted to us. C'est la seule ambition qui nous soit permise. Very hard for some people. C'est très dur pour certaines gens. Especially some of you young men. Et tout particulièrement pour vous, jeunes gens. Oh, you're just beginning to feel your power. Oh, vous commencez seulement là à entrer dans la vie, à sentir votre puissance. You see, I'm going to climb to the top of the ladder. Oh, je vais grimper jusqu'au haut de l'échelle. Everybody in France will talk about me. Et tout le monde en France parlera de moi. I'm going to be a big leader. Et je serai un grand conducteur. There's only one way to get up, and that's to get down. Et il n'y a qu'un moyen de grimper, c'est de descendre. There's only one way to live, and that is to die. Et il n'y a qu'un moyen de vivre, c'est de mourir. Ah, you say it's easy for this old man to talk. Oh, dites-vous, c'est facile pour ce vieillard de parler comme cela. But I've been young once. Mais vous savez, une fois, j'ai été jeune. I know all about it. Et je connais toute l'histoire. We've got to have a great big yes in our hearts to God. Nous devons avoir dans nos cœurs un merveilleux et un grand oui à toute la volonté de Dieu. I delight to do thy will, O my God. Je me réjouis de faire ta volonté, ô mon Dieu. Thy law is within my heart. Car ta loi est dans mon cœur. And because Saul was rebellious, he lost the blessing of God. Et parce que Saül était un rebelle, il a perdu la grâce de Dieu. There's another thing. Il y a une autre chose. Perhaps it's almost the same. C'est probablement la même chose. But there was stubbornness. Mais il y avait de l'entêtement. Oh, he was fixed in his heart, he wouldn't move. Oh, il était endurci dans son cœur, décidé, il n'aurait pas cédé. And there's one thing I noticed. Et il y a une chose que j'ai remarquée. Samuel comes to him and tells him where he's wrong. Samuel vient vers lui. Il lui dit ce qui ne va pas. And Samuel turns to leave him. Et Samuel se détourne pour le quitter. But Saul holds him. Mais Saül l'attrape. Oh, he says, honor me before the people. Et il dit, rends-moi honneur devant les gens. Honor me before the people. Rends-moi l'honneur devant les gens. Well, I leave you to measure that up. Eh bien, je vous laisse le soin de bien peser tout cela. I think you've got the measure of that. Je pense que vous pouvez comprendre tout ce qui se dit là-dedans. Honor me before the people. Honore-moi devant les gens. Give me my place on the platform. Donne-moi ma place sur l'estrade. Oh, let me still be pastor, pastor, pastor. Oh, permettez que je sois pasteur, pasteur, pasteur. Honor me before the people. Honore-moi devant les gens. And Samuel did. Et Samuel l'a fait. But his heart was breaking.
mais son cœur était brisé. He knew that Saul had lost the blessing of God. Il savait que Saül avait perdu la bénédiction de Dieu. There are perhaps just one or two closing lessons. Il reste peut-être encore un ou deux points de conclusion. One is very difficult. Et il y en a un qui est très difficile. Especially for Pentecostal people. Et tout particulièrement pour les gens de la Pentecôte. So perhaps you'd better not listen. Alors, peut-être vaudrait-il mieux ne pas en parler. But in chapter 19, mais au chapitre 19, verse 23, verset 23, he went hither to Naioth in Ramah, and the Spirit of God was upon him also, and he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. What a mystery is here. Quel mystère se loge ici. The backslidden king. Le roi rétrograde. He lost the anointing. Qui a perdu l'onction. But for a few moments he comes back. Mais pour un petit moment, elle revient. And he prophesies again. Et il prophétise à nouveau. Oh, you say I can't understand this. Oh, direz-vous, j'ai du mal à comprendre cela. Never make your spiritual gifts a proof of your holiness. Ne faites jamais dépendre vos dons spirituels de votre sainteté. One of the mistakes we make. L'une des erreurs que nous commettons. Oh, I must be all right. I'm speaking with tongues. Oh, je dois être en règle. Je parle toujours en langue. I must be right with God. I'm prophesying. Oh, je dois être en règle avec Dieu parce que je prophétise. Thou fool. Ne soyez pas insensé. Spiritual gifts are no proof of holiness. Les dons spirituels ne sont aucune preuve de sainteté. You can speak with tongues of men and of angels and have not love. Vous pouvez parler la langue des hommes et des anges et ne pas avoir d'amour. Sounding brass and tinkling cymbals. Des airains qui résonnent, des cymbales qui retentissent. We've got to go something deeper before we can get the proof of being right with God. Il nous faut aller dans quelque chose de plus profond avant d'être en règle. Avec Dieu. You see, in the end of Saul's life, it was as it was in the beginning. Voyez-vous, à la fin de la vie de Saül, il en revient comme il en était au commencement. He came in an atmosphere. Il est entré à nouveau dans une atmosphère. And in the atmosphere, he had a bit of the old power come back. Et dans cette atmosphère-là, cette vieille puissance est revenue. You know, there's a lot in atmosphere. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'atmosphère. While I recognize the truth, I get the measure of it. Mais quand j'ai reconnu la vérité, j'aime en avoir la pleine mesure. I'm not deceived by it. Je ne suis pas déçu. Oh, you come to a convention like this. Vous venez, par exemple, à une convention comme celle-ci. I see people go to conventions all the time. Voyez-vous, je vois tout le temps des gens aller à des conventions. Oh, we've had a big one in England a fortnight ago. Nous avons eu, il y a seulement quelques jours, une grande convention en Angleterre. Ooh. 2,600 people there. Il y avait là 2,600 personnes. Marvelous atmosphere. Une merveilleuse atmosphère. Ooh, everybody shouting hallelujah. Oh, tout le monde criait hallelujah. Ooh, singing hymns. On chantait des cantiques. Clapping their hands. Ils tapaient des mains. Ooh, wonderful. Oh, c'était merveilleux. And I was looking at some of them. Et moi, je regardais certains d'entre eux. Sometimes I wish I didn't know so much about some people. Souvent, j'aimerais ne pas en connaître si long sur certaines personnes. I know too much to keep me happy. J'en sais vraiment trop pour demeurer heureux. I saw one man speaking in tongues. Oh, j'ai vu un homme qui parlait en langue. Wonderful atmosphere. Une belle atmosphère. Do you know what I was saying in my heart? Savez-vous ce que je me disais dans mon cœur? I wish he'd go home and live with his wife.
Je souhaiterais qu'il rentre à la maison pour vivre avec sa femme. Eh bien, je vais vous laisser le soin de terminer ce portrait. It isn't what you are in the convention, it's the real self. Ce n'est pas ce que vous êtes au cours d'une convention qu'est votre véritable vous-même. Oh, it's lovely to be here. Oh, c'est merveilleux d'être ici. 100 preachers. Il y a des centaines de prédicateurs. Oh, you say this is like heaven. Oh, vous dites c'est comme au ciel. It isn't. Ce n'est pas cela. It's only France. Ce n'est seulement que la France. No, no, no. Oh, my friends, it isn't what we are in an atmosphere like this. This is the real self. Non. Notre véritable nous-même, ce n'est pas ce que nous sommes dans une atmosphère comme celle-ci. I tell you where you have the real self. Je vous dirai où vous avez votre véritable visage. When you're all alone with God. C'est quand vous êtes seul, seul avec Dieu. That is the test. Cela, c'est l'épreuve. How is your spiritual life not in the convention? But alone with God. Comment est votre vie spirituelle, non pas au cours d'une convention, mais seul avec Dieu? What is your private prayer life? Quelle est votre vie de prière privée? Oh, the picture of Saul when he was all alone is unspeakably tragic. Oh, la tragique image de Saül quand il était tout seul. Why he even went to the witch of Endor. Il a même été trouvé cette devineresse. C'est choquant. And he ended his life by committing suicide. Et il finira sa vie en commettant le suicide. The man who had the anointing of God. L'homme qui avait l'onction de Dieu. And yet God loved him. Et cependant Dieu l'aimait. I don't know what to say to finish. Je ne sais vraiment pas trop quoi vous dire pour terminer. I suppose I may say too much. Et je pense que j'en ai dit déjà trop. But turn over to the second book of Samuel. Mais ouvrons donc le deuxième livre de Samuel. Chapter 1. Chapitre 1er, verset 14. Here is the last reference to the anointing and Saul. C'est la dernière citation au sujet de l'onction du roi Saül. David said unto him, How wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the Lord's anointed? David lui dit, Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Verse 16 also. Le verset 16 également. Et David lui dit, Que ton sang retombe sur ta tête. Car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. The memory of Saul. La mémoire de Saül. Even God's memory of Saul. Même Dieu s'est souvenu de Saül. He had been the Lord's anointed. Il avait été loin de l'Éternel. He'd failed. Et il a failli à sa tâche. And yet he had been the Lord's anointed. Et cependant, il avait été loin de l'Éternel. I have given the word of the Lord. J'ai annoncé la parole du Seigneur. I have given the word of the Lord. Je vous ai donné la parole du Seigneur. I leave the Holy Spirit to apply to our hearts. Et je laisse au Saint-Esprit le soin d'appliquer cela à nos propres cœurs. Let us receive. Que chacun de nous, nous recevions. Let us pray. Prions ensemble. We have felt thy presence, O Lord, tonight. Nous avons senti ta présence, Seigneur, ce soir. Thy word of truth has searched our hearts. Et ta parole de vérité a sondé nos cœurs. We would be sanctified by thy word. Et nous serons sanctifiés par ta parole. Thy word is truth. Ta parole est vérité.
We are so weak in ourselves. Nous sommes si faibles par nous-mêmes. Strongest of us are weak in ourselves. Oh, fortifie notre faiblesse. We need thy grace. Nous avons besoin de ta grâce. We need our wonderful ever-living Savior. Nous avons besoin de notre Seigneur qui vit à jamais. Lord Jesus, come to us all afresh. Seigneur Jésus, reviens à nous tout à nouveau. And be to each one of us just the Savior that we need tonight. Et sois pour chacun de nous juste le Sauveur dont nous avons besoin ce soir. For the glory of thy name. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Le soir a été sombre et nuageux. How will it be with you? Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de vous?